when we left the Wire, most of the guys were scared, and what was going through their mind was like, hopefully I don't get to die tonight. You know, hopefully I live to see another day. Avec son documentaire Restropo, Sebastian Younger nous avait fait suivre le quotidien des soldats américains en poste sur une montagne oubliée d'Afghanistan. Son nouveau film, Corinne Gall, continue de creuser le filon de cette expérience de reporter embedded. Il ose ici s'attaquer au tabou du goût pour le combat. Ce que je voulais faire avec Corinne Gall, c'était vraiment de mieux explorer cette expérience du combat et de ses effets. Après leur déploiement, j'ai demandé aux soldats des choses comme ce que le mot « courage » signifiait pour eux et pourquoi la guerre, parce que cela leur manquait. Pourquoi la guerre leur manquait? Pourquoi voulaient-ils repartir? Sebastian Younger et son co-réalisateur, le photographe Tim Etherington, qui depuis a été tué alors qu'il couvrait le conflit en Libye en 2011, étaient embedded avec la deuxième section de la 173e brigade aéroportée entre mai 2007 et juin 2008. Une des choses que je voulais transmettre avec ce film, c'était que le combat représente beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'une seule chose, c'est très excitant pour tout le monde. Cela fait peur à tout le monde, c'est incroyablement fort. C'est très triste si vous cessez de penser à ce que vous faites. C'est un tout. Je n'oserais même pas dire que c'est bon ou mauvais. C'est juste un ensemble et ce mélange est moralement déconcertant pour les soldats. C'est aussi une intoxication. That mix is morally confusing to soldiers, but also, you know, quite intoxicating. Corinne was a major highway for Taliban and enemy activity. Corinne Gall vient d'être projetée au festival du film de Little Rock aux États-Unis. We forced the boys to go out continuously. You'd hear the enemy just going crazy, trying to figure out where we were. We're definitely bait. Yeah, it's frightening. Until you hear the snap of a bullet go by your head, there's nothing else like it.